Yorana, nous revoilà pour aborder enfin le dernier volet du dossier sur la vie affective et sexuelle. Eh bien, tout de suite, écoutons Dr. Chanteau qui nous donnera des conseils pour vivre une sexualité épanouissante et surtout responsable. Yorana Mihiata, dans le domaine de la vie affective et sexuelle, beaucoup d'idées fausses circulent. Est-ce qu'on peut tomber enceinte dès le premier rapport? Dès lors que la jeune fille a eu ses premières règles, une grossesse est possible. Les préservatifs sont les seuls moyens qui permettent d'éviter grossesse non désirée et infection sexuellement transmissible. Utiliser un préservatif lors des rapports sexuels permet de vivre un rapport en toute sérénité. Les préservatifs sont accessibles dans tous les magasins et disponibles gratuitement dans toutes les structures de santé publique. Il faudra donc les utiliser jusqu'à l'obtention d'une contraception et la réalisation des dépistages vis-à-vis des infections sexuellement transmissibles. La contraception est-elle dangereuse? Même si certaines personnes présentent des contre-indications, les professionnels vont choisir la méthode la plus appropriée à la personne et lui donner les moyens pour éviter une grossesse non désirée. C'est pour cette raison que la contraception doit être prescrite par un professionnel, médecin généraliste ou spécialiste gynécologue ou une sage-femme. Faudra-t-il payer pour avoir une contraception? Les préservatifs sont accessibles gratuitement dans toutes les structures de santé publique. La plupart des pilules sont délivrées sans avance de frais, de même que les implants sous-cutanés, les dispositifs intra-utérins. Par ailleurs, les consultations pour demander une contraception avec un médecin ou une sage-femme sont prises en charge à 100% par la CPS. La pilule d'urgence est-elle efficace? Il existe plusieurs pilules d'urgence et certaines sont efficaces jusqu'à 120 heures, c'est-à-dire 5 jours après le rapport à risque, le rapport non protégé. Cependant, plus la pilule d'urgence sera prise rapidement après le rapport à risque, et plus elle sera efficace. Les pilules d'urgence sont accessibles et délivrées gratuitement dans toutes les structures de santé publique et sont délivrées dans les officines, dans les pharmacies, même sans ordonnance. Ainsi se clôture notre dossier sur la vie affective et sexuelle. Nous voilà maintenant armés pour mieux agir et réagir dans ce domaine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nana !